Jeunes gens, laissez-moi vous poser une question. Comment savez-vous que vous êtes chrétien? Comment savez-vous que vous connaissez réellement Christ? Comment savez-vous que si vous mourrez maintenant, vous irez au paradis et serez accepté par Dieu le Tout-Puissant devant son trône? Comment savez-vous? Vous dites, tout est une question de grâce. Oui, tout est une question de grâce. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés en croyant les promesses de l'Évangile. Cela est vrai, mais ce que vous devez comprendre, c'est que la grâce est une chose puissante. Et celui qui vous a donné la grâce pour vous repentir et croire, vous donne la grâce pour continuer à vous repentir et à croire. Celui qui vous donne la grâce pour croire au salut vous donne également la grâce pour votre sanctification, afin que vous grandissiez dans la sainteté. Écoutez-moi, l'une des plus grandes preuves que vous avez réellement cru en Christ pour votre salut est que Dieu a commencé un travail de sanctification en vous. Il travaille et travaille et travaille pour vous rendre saint. Est-ce que c'est une réalité dans votre vie? Jeune chorale derrière moi, laissez-moi vous poser une question. Vous chantez admirablement. Mais pouvez-vous honnêtement me dire que votre plus grand désir est d'être saint? Pouvez-vous honnêtement me dire que votre plus grand désir est de ne pas être comme le monde? De ne pas être comme ce que vous voyez dans l'Ouest et dans beaucoup d'endroits, mais d'être comme Jésus-Christ? Pouvez-vous me dire cela? Parce que si vous ne pouvez pas, vous devriez être effrayé. Vous devriez être très effrayé. Ceux qui aiment le monde n'ont pas l'amour du Père. Nous allons prendre un passage dans l'Ancien Testament ce soir. Nous regarderons dans ce passage, c'est une promesse de nouvelle alliance. Cela se trouve dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 36. Lisons le passage, Ézéchiel chapitre 36, verset 22. C'est pourquoi annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, communauté d'Israël, mais c'est pour mon saint nom. Puisque vous l'avez déshonoré dans les nations où vous vous êtes rendu, je démontrerai la sainteté de mon grand nom qui a été déshonoré parmi les nations, puisque vous l'avez déshonoré au milieu d'elles. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, déclare le Seigneur, l'Éternel, quand à travers vous je manifesterai ma sainteté sous leurs yeux. Je vous arracherai aux nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Maintenant, nous allons regarder dans ce texte. Comme je l'ai dit, c'est une promesse de nouvelle alliance. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans l'Ancien Testament, particulièrement dans les prophètes, nous pouvons voir des aperçus du futur où Dieu promet qu'à travers la venue du Messie, il va faire une grande œuvre, qu'il va créer un nouveau peuple et ces nouvelles personnes seront différentes de la nation d'Israël. Parce que la loi de Dieu ne sera pas sur des tablettes extérieures, mais sera inscrite dans leur cœur. Ils ne seront pas juste une nation du sang d'Abraham, mais ils seront une nation de la même foi qu'Abraham. Ils croiront réellement en Dieu, et ils seront réellement transformés par son pouvoir, par le travail de l'Esprit. Maintenant, nous pouvons regarder ce passage et voir plein de caractéristiques de ce que veut réellement dire qu'être un croyant de Jésus-Christ. Et je veux que vous regardiez les choses qui sont dans ce passage. Et je veux que vous vous posiez cette question. Est-ce que ce sont des réalités dans ma vie? Dans ce passage, Dieu nous dit ce qu'il fera dans la vie de chaque véritable croyant. Vous devez vous demander si ce sont des réalités en vous,
Ou est-ce que je suis un faux croyant? Puis-je honnêtement voir Dieu faire ces choses en moi? Commençons verset 22. Au verset 23, nous voyons quelque chose de très très important. Dieu dit à Israël, « Israël, je vais te sauver. » Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il dit, « Je ne vais pas le faire à cause de toi. » C'est très très important. La motivation de Dieu pour sauver ces personnes n'est pas trouvée en eux-mêmes. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand un Dieu saint regarde des hommes pécheurs, la seule chose que Dieu peut faire à cause des péchés est de les juger, pour les condamner. Donc si Dieu sauve l'homme, ce n'est pas grâce à l'homme, c'est malgré l'homme. Dieu ne nous sauve pas parce que nous méritons d'être sauvés. Dieu nous sauve parce que c'est un sauveur. Dieu ne nous aime pas parce que nous méritons d'être aimés. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu, nous méritons sa colère. Dieu nous sauve parce qu'il est lui-même amour. Et une autre chose que l'on remarque dans ces versets, versets 22 et 23, est que Dieu dit deux choses. Je vais te sauver par égard pour moi-même. Je vais te sauver pour ma propre gloire. Pourquoi Dieu a fait cette extraordinaire œuvre du salut? Est-ce parce que l'homme le mérite? Non. Alors pourquoi l'a-t-il fait? Premièrement, Dieu sauve l'homme dans le but d'être glorifié par cette œuvre. Il dit, je vais descendre et je vais sauver les hommes, et je ne vais pas seulement les justifier, mais je vais les changer et les transformer, et montrer mon pouvoir à travers eux à un tel point que le monde regardera et me louera pour le pouvoir qui est démontré à travers mon peuple. Et il continue et il dit, je vais le faire, dans le verset 23, pour démontrer mon pouvoir, afin que les nations reconnaissent que je suis l'Éternel. Maintenant, c'est très important, très important. En Amérique, dans l'évangélisme contemporain américain, qu'avons-nous? Je vais vous dire ce qu'on a. Nous avons une grande majorité des gens en Amérique qui prétendent être chrétiens et ils vivent comme des démons. Mais parce qu'ils prétendent être chrétiens et qu'ils s'identifient avec Christ et vivent comme des démons, le nom de Dieu n'est pas loué grâce à eux. Le nom de Dieu est blasphémé à cause d'eux. Mais la question est-ce que tous ceux qui se disent chrétiens en Amérique sont chrétiens? Absolument pas. Jésus dit que nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Et voici le problème. Quand une église diminue les standards de l'Évangile dans le but d'attirer plus de personnes, quand une église ne prêche pas sur la sainteté et sur ce que cela veut dire que d'être réellement converti, alors l'église se remplit de personnes impies. Et en raison de leurs actions, le monde incroyant blasphème le nom de Dieu. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que les gens qui prétendent connaître Christ et qui vivent d'une façon qui contredit la parole de Christ et le caractère de Christ ne sont pas chrétiens. Nous sommes sauvés seulement par la foi. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'une personne qui a été réellement sauvée est née de nouveau. Ils sont devenus de nouvelles créatures. Dieu a réalisé un immense travail en eux pour démontrer son pouvoir. Il les a fait devenir de nouvelles créatures, avec de nouveaux désirs pour servir Christ et être saint. Est-ce qu'il a fait ça en vous? Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous regardez le monde et vous voulez être comme le monde, vous comportez comme le monde, parlez comme le monde, vous habillez comme le monde, voulez-vous avoir le respect du monde et l'estime du monde? Si c'est le cas, vous devez être terrifié.
Parce que ça pourrait être juste de la preuve que Dieu n'a pas travaillé en vous. Si le pouvoir de Dieu ne peut pas être vu dans votre vie en vous dirigeant vers une plus grande sainteté, alors peut-être qu'il n'y a pas le pouvoir de Dieu dans votre vie. Il n'a pas régénéré votre cœur, vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas un chrétien. Parce qu'il dit, « Je vais sauver des gens. » Pourquoi? Pour démontrer au monde combien je suis puissant, non seulement en sauvant leur âme, mais aussi en transformant leur vie. Est-ce que Dieu transforme votre vie? Les chrétiens ne sont pas sans péché. Les chrétiens ne sont pas parfaits. Les chrétiens lutteront avec le péché. Et les chrétiens peuvent même chuter. Mais au milieu de cette faiblesse, il y aura des preuves que Dieu travaille, que Dieu enseigne, discipline et qui les amène à une plus grande maturité chrétienne et à une plus grande sainteté. Est-ce que c'est vous? Depuis que vous avez proclamé votre foi en Christ, est-ce que vos désirs pour Christ grandissent? Est-ce que vos désirs pour la sainteté grandissent? Est-ce que le pouvoir de Dieu transformant vos vies est évident? Est-ce que vous devenez de moins en moins comme le monde et de plus en plus comme Christ? Ou est-ce que vous devenez de plus en plus comme le monde? Maintenant, il dit quelque chose de très important ici, au verset 24. « Je vous arracherai aux nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. » C'est très important. Quand Dieu sauve une personne, il dit « Je vais les rassembler dans tout le pays, je vais les arracher aux nations. » Et je vais les amener sur un territoire que j'ai préparé pour eux. C'est une merveilleuse illustration d'une véritable sainteté. Quand Dieu sauve réellement une personne, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à travailler en eux. Avec quel objectif, les arracher au monde, pour les arracher des mondanités, pour les arracher au péché et les ramener à lui. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que c'est évident dans vos vies? Est-ce que vous voyez Dieu travailler dans vos vies pour arracher de plus en plus le monde de vous? Et il vous dirige de plus en plus vers lui et à la conformité de son image. À présent, parlons de la sainteté, c'est très important. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, sans la sanctification, sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Et ce que cela veut dire est, si vous avez réellement cru en Christ pour votre salut, alors Dieu sera en train de travailler en vous pour vous rendre saint. S'il n'y a pas de preuve que Dieu est en train de travailler en vous pour vous rendre saint, il y a de bonnes chances que vous ne soyez pas réellement converti. La sainteté, qu'est-ce que c'est? Le mot vient de l'hébreu, qui veut dire couper. Couper. Ma femme aime cuisiner et elle a un large plan de travail. Et elle met des carottes sur cette table et des céleris et d'autres choses. Et elle prend un couteau tranchant et commence à couper très rapidement. Et alors qu'elle coupe les carottes ou les céleris, une grosse pile de carottes ou de céleris monte ici. Et elle prend le couteau non seulement pour couper, mais aussi pour mettre les carottes et les céleris à l'écart. Et elle les sépare du reste. Et elle continue à couper et à séparer, couper et séparer. C'est ce que Dieu veut dire quand il parle de la sainteté. Quand Dieu sauve une personne, il la coupe. De quoi? Du monde. Qu'est-ce que c'est que le monde? Toutes choses sur cette planète, toutes idées, toutes pensées, tout mot, toutes actions qui contredisent la volonté de Dieu et sa nature. Toutes choses qui s'opposent à Dieu. Quand Dieu sauve réellement une personne, il les coupe de ça et commence à les séparer. Petit à petit, changeant leur vie en enlevant les choses mondaines de leur vie et en les attirant vers lui. À présent, il y a deux aspects de la sainteté qui sont très, très importants. L'un d'eux est que la sainteté signifie être séparé du monde.
Chrétien, l'un des objectifs des Écritures est de nous enseigner ce que Dieu déteste, afin que nous nous éloignions de ces choses. Ne vous y méprenez pas. Il ne peut pas y avoir une amitié entre Dieu et le monde. De même, il ne peut y avoir d'amitié entre le croyant et le monde. Si Dieu travaille réellement en vous, il utilisera sa parole à travers la puissance de son esprit afin de vous révéler ce qui est mal dans ce monde et il vous en éloignera. Mais la sainteté n'est pas seulement d'arrêter de faire ce qui est mal. La sainteté est avant tout courir vers Dieu, d'être dévoué à Dieu, de grandir chaque jour, année après année, dans une plus grande dévotion pour Dieu. Maintenant, vous ne pouvez pas avoir les deux choses. Vous ne pouvez pas. Quand j'ai appris à mes enfants à marcher, je me souviens qu'ils se sont tous mis sur leurs jambes en se tenant à une chaise, tout en essayant d'atteindre leur papa. Et alors qu'ils essayaient de m'atteindre, je reculais. Et ils s'efforçaient de tenir la chaise et de m'atteindre en même temps. Mais je ne les laissais pas faire. Je voulais qu'ils voient que s'ils voulaient m'atteindre, ils devaient lâcher la chaise. C'est une bonne illustration de la sainteté. Si vous voulez Dieu, vous devez abandonner le monde. Et si vous ne voulez pas abandonner le monde parce que vous l'aimez, alors sachez que l'amour du Père n'est pas en vous. Jeunes gens, je sais ô combien ma culture est mortelle. Je sais ce qui est fait à mon propre peuple. J'ai vu l'Ouest aller en Europe de l'Est et détruire des églises. Vous êtes dans un endroit vraiment mortel. Vous vivez dans un pays plein de choses qui scintillent, mais qui ne sont pas de l'or. Vous vivez dans un pays rempli de promesses qui sont des mensonges. Vous vivez dans un pays qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous détourner de Christ. Vous vivez dans un pays qui vous dit que vous pouvez avoir le monde et Dieu en même temps. Vous vivez dans un pays qui vous dit que vous pouvez aimer le monde et Christ. Et je veux que vous sachiez que c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ne pensez pas que j'essaie d'être menaçant. Ne pensez pas que j'essaie d'avoir un esprit méchant. Je dis ça pour vous sauver du monstre qui a tué plus de personnes que n'importe quel tyran politicien qui a dirigé ce pays, cette planète. Si vous aimez le monde, soyez effrayés. Parce que ça pourrait être la preuve que Dieu n'a jamais travaillé en vous, que vous n'avez jamais cru au salut, que vous n'avez jamais été réellement converti. Parce que s'il vous sauve réellement, lui qui commence une bonne œuvre en vous, la finira. Et pourquoi nous savons cela? C'est une vérité très importante, parce que sa réputation est en jeu. Souvenez-vous, Dieu sauve les gens pour démontrer à quel point il est puissant. Et donc, s'il commence une œuvre en vous, il la finira. Pour démontrer son pouvoir, laissez-moi vous donner une illustration. Quand Israël est sorti d'Égypte, ils ont commis beaucoup de péchés contre Dieu. Et Dieu a testé Moïse. Il a dit, Moïse, éloigne-toi. Je vais détruire ce peuple et je ferai de toi un grand peuple. Et voilà l'intercession de Moïse. Il dit, « Non, Seigneur, si tu détruis ce peuple, alors tes ennemis diront que tu étais assez fort et puissant pour les conduire en dehors de l'Égypte, mais que tu n'étais pas assez puissant pour les amener sur la terre promise. » Vous voyez ce que Moïse fait? Il est inquiet de la réputation de Dieu. Je suis également inquiet de la réputation de Dieu ici aujourd'hui.
Je veux que vous sachiez que si Dieu vous a ramené de la condamnation du péché, s'il vous a réellement sauvé, s'il vous a réellement justifié, alors la preuve de ça, c'est qu'il continuera à travailler en vous pour vous transformer. Pourquoi? Parce que chaque chrétien est une démonstration du pouvoir de Dieu. Il finira l'œuvre qu'il a commencée parce que sa réputation en dépend. C'est pourquoi Paul avertit dans l'Épître aux Romains, il dit que le nom de Dieu a été blasphémé parmi les non-juifs à cause des Juifs qui s'identifient à Dieu tout en ne suivant ses commandements. De la même façon, beaucoup de nations de ce monde se moquent de cette nation dans laquelle nous habitons, les États-Unis d'Amérique. Et l'une des raisons pour laquelle ils se moquent est parce qu'ils disent « l'Amérique prétend être une nation chrétienne ». Et cependant, presque toutes les abominations qui contaminent le monde viennent des États-Unis. Toutes les obscénités morales ont presque toutes leur commencement ici. Vous voyez, le nom de Dieu est blasphémé à travers les nations parce que beaucoup de personnes en Amérique se croient chrétiennes alors qu'elles vivent comme des démons. Mais cela est bien la preuve qu'ils ne connaissent pas Dieu. Vous voyez, nous ne parlons pas de la multitude de gens, nous parlons de vous. Pouvez-vous dire, pouvez-vous prouver que depuis le moment de votre conversion, il y a des preuves que Dieu est en train de travailler dans vos vies pour vous rendre saints? Pouvez-vous le voir? Pouvez-vous me dire que vous êtes réellement un chrétien, car quand vous regardez le monde, et il se peut qu'il vous trompe et qu'il vous attire, alors Dieu vient et vous discipline. Quand vous participez au péché, vous ne pouvez pas le supporter, car le Saint-Esprit vous convainc tellement. Ou pouvez-vous simplement vous appeler chrétien, tout en ressemblant, vous comportant, parlant et vous habillant comme le monde, et faire tout ce que le monde fait? À présent, je veux que vous regardiez quelque chose ici qui est très important pour votre salut. Notre salut est le travail de Dieu. Cependant, il y a également un élément humain dedans, et il y a un grand mystère concernant la volonté de l'homme et celle de Dieu. Nous savons que le salut est avant tout l'œuvre de Dieu, et lui qui commence une bonne œuvre la finira. Regardons notre passage au verset 24. Je veux accentuer, mettre l'accent sur le pronom personnel « je » qui fait référence à Dieu. Écoutez ce qu'il dit. « Pour moi, c'est Dieu qui parle. Je vous arracherai aux nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai sur votre territoire. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions. » Il est en train de dire qu'il mettra en place le salut en créant un nouveau peuple appelé l'Église et qu'il va le faire et que cela va réussir. Et ce succès démontrera aux nations combien il est puissant. Donc si Dieu sauve une personne, il fera ces choses dans la vie de cette personne. Est-ce qu'il fait ces choses dans vos vies? Et quelles sont ces choses? D'abord, il va travailler pour vous rendre saint. Il va petit à petit retirer de vous vos désirs et votre association avec le monde. Et il va remplacer cela par un désir et une association avec Christ. Est-ce qu'il fait cela? Depuis votre conversion, est-ce que vous grandissez dans votre dévotion pour Dieu et votre amour pour Christ? Grandissez-vous dans la sainteté? Ou êtes-vous la même personne que vous étiez quand vous avez commencé?
Aimez-vous toujours le monde? Voulez-vous toujours être comme le monde? Allons au verset 25. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. L'une des choses que Dieu fait quand il sauve réellement une personne est encore une fois le fait qu'il fasse un travail de purification. Au moment où nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes justifiés, nous sommes réconciliés avec Dieu à travers la foi. Mais si nous avons réellement cru, Dieu commencera à faire un travail de sanctification en nous durant toute notre vie, en nous changeant, en nous purifiant de toutes nos méchancetés et de toutes nos idoles. Et je veux que vous sachiez quelque chose, il peut le faire. Il peut le faire. Il est le souverain du croyant. Et il peut travailler dans la vie de ce croyant afin de le rendre purifié, afin que ce croyant grandisse dans la sainteté. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand j'étais un petit garçon, j'ai été élevé dans une ferme. Et je ne sais pas si l'un de vous ici qui vit en Californie a déjà été élevé dans une ferme. Mais l'une des choses concernant les garçons élevés dans les fermes est qu'ils sont tout le temps sales. Toujours. Et j'étais le plus sale de tous. Et partout où il y avait des buts ou des trous, il y avait de la saleté. Parce que je jouais et travaillais tout le temps dans les champs avec mon père. Comme un garçon de ferme, toujours sale. Une fois alors que j'avais 9-10 ans, je suis rentré à la maison tard le soir. J'avais été dans les champs toute la journée, j'étais très fatigué. Et ma mère m'a dit, Paul, tu as besoin de prendre un bain. Et j'avais 9-10 ans et je devenais un homme. Et j'ai dit à ma mère, maman, je ne pense pas que je vais prendre un bain ce soir. Tout d'un coup, le visage entier de ma maman a changé. Et ma mère m'a regardé. Et j'ai toujours son visage en tête, et cela me terrifie encore. Elle m'a regardé et elle a dit, « Tu vas prendre un bain. » Alors j'ai dit, « Ok, je vais prendre un bain. » Je suis allé dans la salle de bain, j'ai ouvert l'eau, un tout petit peu, juste quelques gouttes, parce que les garçons qui vivent dans les fermes, ils aiment nager dans les rivières, mais ils sont effrayés par l'eau de la baignoire, je ne sais pas pourquoi. J'ai donc ouvert l'eau et quelques gouttes sont sorties et j'ai fait comme ça. Et puis j'ai attrapé la serviette blanche de ma mère et je me suis séché avec, rendant ainsi la serviette noire. Et tout se passait très bien. Jusqu'à ce que ma mère arrive. Et ma mère m'a regardé, elle a ouvert l'eau, et elle m'a attrapé par la nuque. Ils avaient le droit de faire ça à cette époque. Elle m'a attrapé par la nuque et elle m'a collé dans la baignoire, dans l'eau. J'ai cru que j'allais me noyer. Et ma mère était une femme qui avait travaillé la plupart de sa vie dans une ferme. Ses mains étaient usées. Et elle m'attrapait et a commencé à me nettoyer encore et encore. Et quand je suis sorti de la baignoire, j'étais rayonnant de la gloire de Dieu. J'avais perdu au moins 3 couches de peau. Mais j'étais propre. Je voudrais que vous pensiez à quelque chose. Est-ce que ma mère est plus puissante que Dieu? Je pense que certains prédicateurs diraient que oui. Mais la Bible dit que non. Dieu dit, je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Vous serez purifiés. L'un des problèmes à l'Ouest est que nous n'avons plus aucune conception de l'autorité du Père. Je vois des pères qui supplient leurs enfants. Nous n'avons aucune conception de l'autorité parentale et par conséquent, nous ne pouvons pas comprendre le travail de Dieu dans le cœur de l'homme. Dieu regarde ses enfants et il dit, « Vous serez purifiés. » De plus, il dit, « Nous pouvons le faire d'une façon facile. » Ou nous pouvons le faire également d'une façon facile, car les deux chemins pour moi sont faciles. Dieu purifiera son peuple. Et l'une des plus grandes preuves que vous avez commencé à faire partie de son peuple
et que vous ne pouvez pas lui échapper. Il travaillera en vous pour vous purifier. Il dit, je vous purifierai de toutes vos impuretés, de toutes vos idoles. Si je devais décrire ma vie chrétienne, je vous dirais que c'est l'un des meilleurs versets pour décrire ma vie. Je marche avec le Seigneur depuis environ 28 ans. Et dans ces 28 années, j'ai vu la main aimante de Dieu me discipliner, m'enseigner, me mettre à l'épreuve, me corriger quand j'étais allé dans la mauvaise direction. Je pouvais voir depuis le moment de ma conversion que j'étais entré dans une relation avec Dieu dont je ne pouvais m'échapper. Il était devenu mon père. Et c'est un père très persévérant. Il s'assure que ses enfants ne deviennent pas des sauvages. Laissez-moi vous donner un exemple. Disons que je suis votre pasteur et que je rentre tard à la maison, disons vers minuit. Je suis en train de prêcher quelque part très tard, et alors que je rentre à la maison, j'arrive à une intersection, et je vois votre fille qui a 14 ans se tenant au coin de la rue, avec un tas de personnes vraiment peu fréquentables. En tant que pasteur, je m'arrêterai à l'intersection et je dirai, « Jeune fille, monte dans la voiture. Je te ramène à la maison. » Mais voilà ce que vous devez comprendre, je ne serai pas fâché en tant que pasteur avec la jeune fille, mais je serais fâché contre le père s'il était un membre de l'Église. J'irai vers lui et je lui dirai, « Quel genre de père négligent êtes-vous? Comment pouvez-vous négliger vos enfants au point de les autoriser à être dans la rue, à faire n'importe quoi sans votre attention et votre discipline? Pensez-vous honnêtement que Dieu soit un père négligent? Que Dieu autorise tous ses enfants en Amérique à vivre dans l'hérésie, qu'il les autorise à suivre n'importe quel mensonge, à vivre dans le péché et à faire toutes les choses qui contredisent sa nature? Pensez-vous que Dieu est si négligent envers ses enfants? Absolument pas. L'une des preuves, jeunes gens, que vous appartenez réellement à Dieu, qu'il est réellement votre Père et qu'il est impliqué dans votre vie afin de vous purifier. J'utilise une autre illustration, issue de ma vie de garçon. Ma mère, lors de mon premier jour à l'école, m'avait acheté des nouveaux vêtements. Et elle m'a dit après l'école, ne va pas te bagarrer et déchirer tes vêtements, et ne va pas à la rivière où tu joues toujours pour revenir couvert de boue. C'était mes deux choses préférées que je faisais à l'école. Et j'ai fait exactement ce qu'elle m'avait dit de ne pas faire, et je savais que j'allais avoir des problèmes. Beaucoup de problèmes. J'avais toujours l'esprit d'un avocat, alors j'ai demandé à mes amis, voulez-vous venir à la maison avec moi? Et ils m'ont dit « Ok », parce qu'ils étaient aussi sales et leurs habits étaient aussi déchirés que les miens. Alors qu'on approchait de la maison, ma mère a regardé par la fenêtre. Du feu sortait de ses yeux. Et je savais que ma vie était terminée à ce moment-là. Et j'ai dit « Maman, avant que tu ne te fâches, laisse-moi juste te dire que Rance et John sont également sales et qu'ils ont aussi déchiré leurs vêtements. » Et alors elle m'a dit quelque chose qui m'a enseigné de la bonne théologie. Voilà ce qu'elle a dit. « Rance et John ne sont pas mes enfants. Toi, tu es mon enfant. Je n'ai rien à faire avec eux. Mais j'ai tout à faire avec toi. À présent, monte, dis ta prière et prépare-toi à mourir. » Vous voyez ce qui se passe là? Ma mère et mon père avaient des droits sur moi et je leur appartenais. J'étais leur enfant. De la même façon, si vous êtes réellement converti, Dieu a des droits sur vous.
Vous lui appartenez. Il va vous changer pour sa propre gloire et parce qu'il vous aime. Il ne vous laissera pas rester ce que vous étiez. Et il a le pouvoir de vous changer. Il est un Père souverain. Je veux que nous allions dans l'Épître aux Hébreux pour un moment, chapitre 12. Regardez le verset 5 dans le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. « Vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. » Et puis il dit, « Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas ?» À présent, écoutez le verset 8. Voici l'avertissement. Mais si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Si vous pouvez vivre dans le péché, vivre dans le monde avec tous vos amis mondains en faisant toutes vos choses mondaines, et qu'il n'y a pas de conviction de l'esprit, qu'il n'y a pas de discipline de Dieu, c'est une preuve que vous êtes un enfant illégitime, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Si vous aimez la sensualité du monde, si vous aimez toutes ses fiertés, ses convoitises de la chair et des yeux, et toutes les choses qui scintillent dans ce monde, si vous pouvez y participer sans recevoir la discipline du Père, c'est parce que le Père n'est pas votre Père. Revenons dans Ézéchiel. Je veux que vous pensiez à ça. Il y a un passage dans les Écritures qui dit « J'ai aimé Jacob, j'ai détesté Ésaü. » Maintenant, nous devons nous poser une question. Comment Dieu manifeste son amour envers Jacob? Et comment il manifeste sa haine et sa colère envers Ésaü? C'est vraiment très utile. Cela vous aidera à comprendre comment Dieu, votre Père, se comporte. Si vous regardez la vie d'Ésaü, Dieu a accompli toutes les promesses qu'il a faites pour Ésaü. Il a béni Ésaü avec des richesses, avec du pouvoir. Il est devenu un grand leader, une grande nation. Dieu a béni Ésaü. Alors comment la haine de Dieu était manifestée envers Ésaü? Dieu n'a jamais discipliné Ésaü. Il l'a laissé être ce qu'il était. Il n'a jamais interféré dans la vie d'Ésaü. Il n'a jamais travaillé afin de rendre Ésaü saint. Il a coupé la corde et a laissé Ésaü vivre comme il le voulait. Et comment Dieu a manifesté son amour envers Jacob? Il a corrigé Jacob tous les jours de sa vie. Il n'a pas autorisé Jacob à rester tel qu'il était. Jacob était perdu, mais lorsqu'il est devenu un fils, Dieu a dit, cela va prendre du temps, mais je vais te changer en prince. Et quand vous regardez la vie de Jacob, les épreuves qu'il a subies, les choses qu'il a traversées, quand il est entré sur la terre promise, il est entré en boitant. Il est entré en boitant. Pourquoi? Parce que voilà ce que vous devez comprendre, particulièrement en Amérique. C'est que le but de Dieu dans votre vie n'est pas la prospérité. Ce n'est pas la santé, ce n'est pas la richesse, et ce n'est certainement pas votre meilleure vie maintenant. Le but de Dieu, si vous êtes son enfant, est de vous rendre saint afin que vous soyez conforme à l'image de Christ. Il vous purifiera de toutes vos impuretés. Il vous purifiera de toutes vos idoles. Et il sera très zélé en le faisant. Il fera tout ce qui est nécessaire afin de vous rendre conforme à l'image de son Fils. Est-ce qu'il fait ça dans votre vie?
Continuons. Comment est-ce que Dieu nous change? Ce n'est pas simplement avec des disciplines extérieures. Comment est-ce qu'il nous change? Regardons le verset 26. C'est l'une des plus, si ce n'est la plus grande illustration de ce que cela veut dire qu'être né de nouveau. C'est une illustration phénoménale. Avant que nous la lisions, regardons quelque chose. En Amérique, être né de nouveau, où la doctrine de la régénération est complètement perdue. La régénération est le travail surnaturel de Dieu, où à travers son esprit, il recrée un homme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous voyez ça? La Bible dit que Dieu a créé le monde ex nihilo, ou à partir de rien. Je crois qu'il y a plus de pouvoir de Dieu manifesté dans la conversion d'un homme que lors de la création de l'univers. Parce que comme je l'ai dit, il a créé l'univers à partir de rien. Mais quand il recrée un homme et le transforme en chrétien, il prend une corruption radicalement dépravée et la transforme en une créature qu'il aimera. Beaucoup de gens aujourd'hui disent qu'ils sont nés de nouveau. Et vous leur demandez qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. J'ai pris ma décision, j'ai fait cette prière, j'ai demandé à Jésus d'entrer dans mon cœur. Oui, mais est-ce que ton cœur a changé? Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que ça change actuellement? Es-tu une nouvelle créature? Ou quelqu'un qui répète une croyance en passant à travers un rituel? La preuve que vous êtes réellement converti n'est pas qu'une fois vous avez fait cette prière en demandant à Jésus d'entrer. La preuve que vous êtes converti est qu'une fois dans votre vie vous vous êtes repenti de vos péchés et vous continuez à vous repentir aujourd'hui. La preuve que vous êtes sauvé est qu'une fois vous avez cru au salut et vous continuez à y croire aujourd'hui. La preuve que vous êtes converti est que Dieu a commencé à travailler en vous et qu'il continue à le faire aujourd'hui. En changeant votre vie, en vous transformant par son pouvoir. Regardez ce qu'il dit ici. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. À présent, disons que je prenne l'homme le plus grand dans ce bâtiment, que je l'amène ici et que je fasse une statue de pierre de lui. Et donc le voilà en statue de pierre. Je peux le frapper, je peux le pincer, je peux lui donner un coup de pied, je peux l'insulter, je peux lui faire n'importe quelle chose. Et qu'est-ce qu'il va faire? Absolument rien. Il est en pierre. Il est mort. Il est inflexible. Il est incapable de répondre aux stimuli. Mais qu'est-ce qui se passerait si je pouvais claquer des doigts et transformer cette statue de pierre en homme, un homme de chair? Si je le pince, il va probablement réagir et me frapper. Si je lui donne un coup de pied, il m'en donnera un en retour. Vous voyez? Peu importe à quel point vous êtes fort ou grand ce soir, si je vais derrière vous et que je vous pince sous le bras et que je vous frappe de toutes mes forces, vous allez réagir. Vous allez répondre aux stimuli. Et c'est ce que Dieu est en train de dire. À travers le travail surnaturel du salut, voilà ce que Dieu fait quand un homme est né de nouveau. Il enlève son cœur de pierre, un cœur qui est mort, un cœur qui ne peut pas entendre Dieu, qui ne peut pas lui répondre. Et ce qu'il sait au sujet de Dieu, il le déteste. Et par le pouvoir du Saint-Esprit qui agit sur cet homme, comme lors du jour de la création, Dieu change le cœur de cet homme d'un cœur de pierre qui est mort et qui ne peut pas répondre, en un cœur de chair qui est vivant et qui peut répondre aux stimuli divins. Est-ce que Dieu a fait cela dans votre cœur? Pouvez-vous vous souvenir d'un moment dans votre vie où vous étiez mort pour Dieu? Vous n'accordiez pas d'importance à Dieu, à sa parole, au péché. Vous n'accordiez pas d'importance à sa voix en l'entendant, lui obéissant, le suivant, rien de tout ça. Mais un jour, tout a changé. Dieu a pris ce cœur de pierre et l'a remplacé par un cœur qui, lui,
répondrai. Mes chers amis, quand l'apôtre Paul dit « si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature », il ne récite pas simplement une belle poésie, il nous enseigne quelque chose qui est vraiment vrai. Êtes-vous devenu une nouvelle créature? Est-ce que vous répondez à présent à la voix de Dieu? Peut-être que vous vous tenez là, jeunes gens, fascinés par le monde, en ressemblant au monde, en aimant le monde, vous comportant comme le monde, et vous êtes assis là. Je n'ai aucune idée de quoi il est en train de parler, vous vous dites. Alors vous devez être effrayé, et vous devez chercher Dieu. Vous devez vous écrier à lui, « Dieu, sonde mon cœur. Dieu, si je ne te connais pas, si tout ce que j'ai, c'est une religion et non le salut, Seigneur, je m'écrie à toi, sauve-moi, change mon cœur, accorde-moi la grâce, aide-moi, Seigneur. » Chers frères, écoutez-moi. Il suffit seulement d'une génération pour tout perdre. C'est à ce point difficile qu'est l'endroit dans lequel vous vivez. Priez pour vos enfants. Enfants, ne croyez pas les mensonges. N'y croyez pas, ils sont mortels. Si vous êtes sauvé, il dit, je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un corps de chair. De plus, regardez le verset 27. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Mon cher ami, réfléchissez au sujet de cette conversion. Ce n'est pas juste une décision humaine. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes converti? Dieu ne transforme pas seulement votre cœur. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il réside en vous. Il met son esprit en vous. Et regardez ce qu'il est dit. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Il dit, quand je changerai votre cœur et que je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez d'une façon différente. Cela se passera réellement. Et puis il dit, au verset 28, « Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » Jeunes gens, adolescents et étudiants, même ceux qui sont plus âgés, mais mon fardeau ici va pour les jeunes. Écoutez-moi, pouvez-vous honnêtement me regarder et dire, « Il est mon Dieu ?» Il est mon Dieu. Je veux connaître sa volonté. Je veux obéir ses commandements. Je veux le suivre et être ce qu'il veut que je sois. Je suis en train d'apprendre, et il m'enseigne, à aimer ce qu'il aime et à détester ce qu'il déteste. Est-ce que quelqu'un peut regarder votre vie, jeunes gens, pas quand vous êtes à l'église? Non. Mais quand vous êtes dans la rue et que personne ne vous voit, est-ce qu'ils peuvent regarder votre vie et dire « cette personne appartient à Dieu » ? Cette personne est différente, elle n'est pas comme le monde. Cette personne est en train de changer. Jeunes gens, désirez-vous être avec Dieu le matin ? Désirez-vous être avec lui le soir? Désirez-vous sa parole? Est-ce que vous voulez changer, jeunes gens? Quand vous tombez dans le péché, est-ce que cela blesse votre cœur et vous affecte? Ou est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous y prenez plaisir? Laissez-moi vous partager quelque chose pour terminer. C'est une illustration de Charles Spurgeon. Très puissante. Je veux que vous imaginiez que j'ai juste là la meilleure nourriture que vous pourriez préparer. Juste un plat splendide, rempli de la meilleure nourriture imaginable. Et juste là, j'ai un seau de déchets.
de la bouillie. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont issus de Californie et non d'une ferme, mais disons qu'il y a un cochon à l'arrière de l'église. Et je dis à quelqu'un de lâcher le cochon. Où est-ce que le cochon ira? Est-ce qu'il va aller vers ce plat succulent de nourriture? Absolument pas. Où est-ce qu'il va aller? Il va aller vers les ordures. Pourquoi est-ce qu'il va vers les déchets? Parce que c'est un cochon. Les cochons aiment les déchets. Il va aller vers les ordures. Il va mettre sa tête dans ses déchets. Il sera sans honte. Et il va manger et manger et manger. Et il va aimer ce qu'il mange. À présent, disons que j'ai le pouvoir, avec le claquement de mes doigts, de changer le cochon en homme en une seconde. Qu'est-ce qui va se passer? Il va retirer sa tête hors de ce seau. Il va vomir ce qu'il était en train de manger. Pourquoi? Parce qu'un homme ne peut pas manger ce qu'un cochon mange. Cela va le rendre malade. Il va se retourner et vous voir et sera honteux. Ne soyez pas offensé. Mais si vous êtes chrétien, je viens juste de décrire votre conversion. Les conversions de nous tous. Nous sommes nés et de nature, nous étions pécheurs. Nous ne voulions pas de la bonne nourriture de Dieu. Nous préférions plutôt le péché, le déshonneur et la débauche de ce monde. Nous y courions, nous nous en nourrissions, nous en mangions, nous l'avons aimé et désiré. Mais quand une personne est convertie, Dieu la change en une nouvelle créature. Un nouveau cœur recréé à l'image de Dieu avec une véritable vertu et sainteté. Et avec ce nouveau cœur, ils ont de nouveaux désirs, et ils ne peuvent plus digérer le péché de ce monde. Ils sont honteux d'y avoir participé un jour, et ils commencent à ne plus marcher comme un pécheur, mais commence à marcher comme un saint. Est-ce qu'un chrétien peut se tromper et remettre sa tête dans le seau? Oui, il le peut. Mais au moment où il prend une bouchée, il sait que c'est mal. Au moment où il prend une bouchée, ça le rend malade. Et cela ne prendra pas de temps avant qu'il se repente de sa bêtise. Il sera honteux d'être retourné vers ce qu'il avait quitté. Est-ce que c'est vous? Est-ce que Dieu a changé votre cœur? Est-ce qu'il continue à changer votre cœur? Est-ce que vous voulez être libre des saletés de ce monde? Est-ce que vous voulez être comme Christ? Si vous pouvez dire oui, c'est une grande preuve que vous êtes né de nouveau. Pour terminer, jeunes gens, écoutez-moi. Les choses qui vous sont présentées dans cette culture sont plus mortelles que le venin, la sensualité, le manque de discrétion, le manque de décence, la rébellion, l'amour pour l'argent, les vices, le sexe et toutes les choses que cette culture vous jette, cela vous tuera. La façon dont cette culture se comporte, parle, la façon dont cette culture s'habille, tout ce qui la concerne est mal. Ne faites pas cela. Mais comprenez également ceci. Si vous reconnaissez que cette culture est mauvaise et que vous vous en détournez en pensant que juste parce que vous vous en êtes détourné, vous êtes sauvé, alors vous avez tort. Vous détourner de cette culture ne vous sauvera pas, mais tournez-vous vers Christ. Tournez-vous vers Christ. Et comment saurez-vous que vous vous êtes tourné vers Christ? Parce qu'il changera votre cœur. Il changera votre cœur. Imaginez que je vienne en ville en étant le nouveau pasteur et vous me dites qu'il y a un homme qui n'a pas été à l'église depuis 5 ans. Il habite le voisinage et je devrais lui rendre visite parce qu'il est membre de l'église et qu'il est en plein de péché. Alors je vais toquer à sa porte et il m'invite à rentrer. Et je dis, frère, vous n'avez pas été à l'église depuis 5 ans?
Et voilà ce qu'il dit. Il dit, vous avez raison, pasteur. J'aime jouer au football et faire d'autres choses le dimanche. Mais vous avez raison, je dois retourner à l'église. Je dois faire cela. Et je lui dis, j'ai entendu que tu t'es enivré en allant dans différents bars. Et il dit, vous avez raison, pasteur. J'aime m'enivrer et aller dans les bars, mais vous avez raison, je dois arrêter de faire cela. Je dois aller à l'église. Et je lui dis, j'ai entendu que vous aviez été infidèle à votre femme. Et il dit, pasteur, je ne peux pas me retenir, j'aime d'autres femmes. Mais vous avez raison, je dois arrêter, je dois me comporter correctement, je dois retourner à l'église. Et donc, le dimanche, il revient à l'église, et vous dites tous, louons le Seigneur, une brebis rentre à la maison. Non, ce n'est pas vrai, une chèvre est entrée dans le bâtiment. Parce que vous savez ce qu'il dit? Voilà ce qu'il dit. Jeunes gens, écoutez-moi, c'est peut-être vous. Voici ce qu'il est en train de dire. Je dois arrêter de faire tous les péchés que j'aime de tout mon cœur et commencer à faire toutes les choses de Dieu que je déteste et qui m'ennuient dans le but de sauver mon âme. Cela n'est pas le christianisme. Il n'est pas une nouvelle créature. Tout ce qu'on a fait, c'est de mettre un loup dans une cage afin qu'il ne puisse pas continuer à agir comme un loup, mais c'est toujours un loup. Laissez-moi vous demander, honnêtement, jeunes gens, admettez-le tout simplement, est-ce que vous aimez ce monde plus que Christ? Et vous dites, ne me jugez pas, vous ne savez pas ce qu'il y a dans mon cœur. Je n'ai pas besoin de voir ce qu'il y a dans votre cœur, j'ai juste besoin de regarder votre vie. Est-ce que votre vie est dédiée aux choses de ce monde, à sa beauté, sa sensualité, au divertissement et à toutes ces choses, de sorte que toutes les choses dans les Écritures ne veulent rien dire pour vous? L'association à Christ et la prière ne veulent rien dire pour vous? Chercher des croyants dans des églises locales pour grandir dans la sainteté ne veut rien dire pour vous? Vous venez tout simplement à l'église le dimanche, si c'est votre cas, soyez effrayés. Repentez-vous de vos péchés, tournez-vous vers Christ, jusqu'à ce que vous sachiez qu'il vous a sauvé, qu'il vous a changé, et qu'il continue à vous changer. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses. Et je sais que j'ai été très dur. Mais je connais ma culture. Et je sais ce qu'elle fait. Et je connais la nature humaine. Et je sais ce que la Bible enseigne sur le salut. Tout ce que j'ai dit, je l'ai dit parce que je vous aime. Souvenez-vous comment j'ai commencé ce message. Il y a des gens dans cette pièce qui seront des saints glorifiés au paradis. Et il y a des gens dans cette pièce qui seront des monstres en enfer. Qu'est-ce que vous ferez? Allez-vous vous repentir? Allez-vous croire en Christ?